Les syndicats d'urgentistes ne cachent pas leur enthousiasme. Il s'agit pour eux d'un accord historique, le fruit d'un mois de négociations avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Le principal acquis porte sur leur temps de travail. Nous avons un temps plein qui est à 39 heures, puisque toutes les structures vont être obligées de compter en heures. Ça, c'est extrêmement moderne. Et avec un maximum de 48 heures, ce qui correspond aux directives européennes. Donc la France se met enfin en ordre de bataille pour répondre aux directives européennes. Les urgentistes ont également obtenu gain de cause sur la valorisation de leurs heures supplémentaires au-delà de 39 heures. Pas d'avancée en revanche sur un dossier, celui de l'harmonisation des rémunérations pour les gardes. Par exemple, actuellement, les médecins universitaires sont payés 200 euros de plus par garde que les praticiens hospitaliers. Ce sont ces différences que contestent les urgentistes. Les protocoles proposés par la ministre de la Santé s'appliqueront dès le 1er janvier.